Ça, c'est après la séance d'ombre d'enfoiré. Salut les guerriers et bienvenue dans Qui veut perdre du muscle ? Qui veut perdre du muscle ? Yo les guerriers ! Et c'est parti les mutants hein. Ouais ! John Coffey, la mort des tirs. Alors salut les guerriers, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc nouveau concept, vous l'avez jamais vu sur n'importe quelle chaîne fitness français. Du coup, ça va être bien. Moins bien pour les muscles, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de cardio. Faut savoir qu'on a fait une séance bicep juste avant. Donc là ça fait une heure et quart qu'on est déjà ici. Et là il va finir sa séance par du cardio alors qu'il est en prise de masse. Normalement je vais finir par du cardio, mais je vais tout réussir. Bon, là, je vais rester à 6 km/h. Gros, le principe, il est simple. Je le mets sur le tapis. Il y a 12 questions. 6 questions sur le fitness français et 6 questions sur la musculation. Donc, on vous laissera le temps de répondre aux questions avant que lui donne sa réponse. Je le place sur le tapis à 6 km/h. C'est la limite entre la marche rapide et la course. Donc, à 6 km/h pour commencer. À chaque mauvaise réponse, on augmentera la vitesse de 1 km/h. Tu me dis si je suis trop long. Et à chaque bonne réponse, on reste au même niveau. On reste au même niveau. Et donc, je peux augmenter de 12 maximum. J'espère que vous êtes prêts, car moi, je suis pas prêt. Si t'as faux à 12 questions, au final, tu finis à 18 km/h. Donc, il va faire un. Hey, si j'ai tout bon, abonnez-vous 15 000 fois en répétitif, en doublure. Vous créez des autres comptes. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, à 50 pouces bleus, c'est pas beaucoup, on est gentil, on vient de débuter. 50 pouces bleus, on fait une partie 2. Et cette fois-ci, ce sera moi sur le tapis. Bastas il prépare les questions, là je peux pas me passer parce que j'ai déjà les réponses aux questions. Prêt ? J'ai chez moi, il y a que la souffrance qui paye. Qui paye. En même temps, t'as vu ? Fusion. Qui veut perdre du muscle ? Moi je suis pas prêt. Inch'Allah, y'a rabais de moi la force. Dis toi, je suis en train de mettre. Tu me start ? Ah ouais, c'est physique 6 déjà. Ouais. C'est déjà 1 km/h. 6 c'est de la course, en dessous c'est de la marche. Arrête, je vais maigrir, fils de. Donc. Dans une minute, t'as la première question. Une minute ? Ouais, ça y est, une minute 5. Pas de triche, hein ? Ah ouais ! Ok, donc première question. On va faire une compliquée. Déjà ! Directement pour augmenter le rythme. Combien d'abonnés à Marvel Fitness ? 103 200 abonnés. 123 000 abonnés. Ouais. 160 050 abonnés. Ouais. Ou 98 250 abonnés. À vous de répondre aussi chez vous. N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. Il y a quoi comme réponse ? 103 200. Quoi 103 200 ? 103 200 abonnés. Ah, 100 Les mathématiques, c'est un arabe. Moi, les mathématiques, ça, je peux la dire. C'est pas ça. Combien ? 123 000. Et c'est une bonne réponse. On reste à cette vitesse pendant une minute. Il va se retrouver par terre, moi je vous le dis, restez bien. Allez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il va avoir une chute, hein, je le sens. C'était compliqué. Prochaine question ou pas, on est à 3 c'est minutes. Bon, ouais, 3 minutes là. Ok, question YouTuber fitness ou question musculation ? Musculation. Il fait le malin. Au total, le corps humain possède combien de muscles ? 37 muscles, 123 muscles, 400 muscles, 639 muscles. Là, il est perdu, là. S'il trouve, je lui donne son bac scientifique. Non, mais il y a muscles, il y a quoi comme, tu parles des muscles vertébraux, tout ça ? Je parle de tous les muscles du corps humain. Redette, les quoi, les deux premiers chiffres ? Les muscles squelettiques, les deux premiers chiffres. Les muscles striés, tout. Réponse A, 37 muscles. Réponse B, 123 muscles. Réponse C, 400 muscles. Réponse D, 639 muscles. N'oubliez pas de répondre dans les commentaires. J'hésite entre deux réponses. Moi je dirais. Réponse C. Réponse C, c'était combien ? Il sait pas. Ouais, c'est 400 muscles. Ouais. Réponse C, 400 muscles. Je sais que c'est faux, c'était la B. Et c'est une mauvaise réponse. C'était quoi ? C'était 639 muscles. Putain, voilà, je voulais. Donc on parle de tous les muscles, hein. On parle pas simplement des biceps, des triceps, on parle de tous les petits muscles du corps humain. Donc on monte de 1 km pendant une minute. Fait, tu me fais courir. Et là ça commence à courir. On a marché, wesh. Et là on espère que la vidéo va durer longtemps. Dépêche, wesh, pose ta question. Une minute. Pose ta question, ça tu y est. Me dis. Ça y est. Question YouTuber fitness ou question musculation ? Fitness. Elle est facile celle-ci, je suis sûr que vous savez aussi. Quel était l'ancien métier de Enzo Fukra ? Ah c'est bon, je la connais. Réponse A, pompier. Réponse 2, avocat. Réponse 3, policier. Ou réponse 4, boucher. Vas-y. Qui est l'auteur de ces questions ? Et je pense que c'est même pas une des 4, vu que c'était pas ça vraiment. Tu peux donner ta réponse. Policier. Policier, c'est bien ça. Mais en fait, il est diamant. Il a fait partie du GIGN, c'est ça. Mais il a commencé en étant policier. Je rabaisse de 2 km/h. Allez voir sa vidéo si vous voulez tout savoir sur lui. Et on baisse de rien du tout. Attends, j'allais vomir moi, musculation. Musculation. Une question chiante, il va accélérer un peu. Parmi ces 4 aliments,
lequel contient le plus de protéines pour 100 grammes? Réponse A, les pois chiches. Réponse B, les lentilles. Réponse C, les œufs. Réponse D, le tofu. Bien joué, gros. Elle est pas mal. Elle est pas mal. J'en ai deux en tête. 100 grammes, les lentilles. Répondez dans les commentaires. 100 grammes, les lentilles ont 14 grammes. Tofu, il y a 24 grammes. Il y a 20 grammes de pois chiches, pareil que les lentilles. Et c'est quoi le troisième? Pois chiches, lentilles, œufs ou tofu? Tofu. Tu penses que le tofu a plus de protéines pour 100 grammes que ces 4 aliments? Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, on accélère de 1 km. Et la bonne réponse était les pois chiches, qui pour 100 grammes obtient 19 grammes de protéines. Oh là, j'ai envie de pêcher. Et 19 grammes de protéines pour des pois chiches. Je vais vomir pour 100 grammes. Putain, je dois merde. Si vous voulez le voir vomir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Putain, là où elle, Romain, j'ai envie d'y lèche. Question musculation ou question fitness? Mets-moi en fitness, ça merde, mets-moi toutes les questions d'accord. Alors, Solid Mike pratique un sport en plus de la musculation. Lequel? La boxe anglaise, réponse A. Le tennis, réponse B. La gymnastique, réponse C. Ou la MMA, réponse D. Le MMA, pardon, la MMA. J'ai le temps de cette feu, gros. Bon, là, quand j'ai sur mes jambes. Je peux même plus courir. Mais tu peux répondre. Ouais, boxe anglaise. Tu connais un peu Solid Mike? Boxe anglaise. Tu connais un peu ou pas? Boxe anglaise. Sûr? Est-ce que Mehdi, c'est ton dernier mot? Avec son truc dans la chambre. Ouais, boxe anglaise. Je commence à avoir des vidéos. Et c'est une mauvaise réponse. Ouais. Commence à arriver à 10 km/h, là ça va commencer à devenir dur. J'espère qu'il vous motive hein, chez vous. Prochaine question, youtubeur ou musculation? Celle que tu veux, gros. Vas-y, pose-moi tout. Ok, on va passer sur le muscle. À quel âge la testostérone commence à baisser? Réponse A, 25 ans. Réponse B, 30 ans. Réponse C, 35 ans. Ou réponse D, 40 ans. Vous en pensez quoi? La testo, vous avez juste quel âge pour faire du muscle? Mais dis, tu ne connais pas la réponse? Ah, ça, faut être coach diplômé. Hein. N'oubliez pas, hein, pour tout coaching à distance, DJ Fitness sur Instagram. Moi, ces réponses-là, je les connais. 40 ans. Et c'est une mauvaise réponse. Arrête! La testostérone baisse à partir de 30 ans. Ça varie selon les individus, on n'est pas à un jour près, on peut avoir 28 ans, 29 ans et ça peut commencer à baisser. Mais en général, selon les études, c'est à partir de 30 ans. Donc dépêchez-vous, vous avez jusque 30 ans pour faire un maximum de muscle. Arrête de parler, pose tes questions. Il est à 11 km/h. On va enchaîner, on va pas le faire sur plus longtemps. Prochaine question, question youtubeur. Parmi, elle est vicieuse celle-ci. Celle-ci. Non. Celle-ci, faut être lucide. Et là, je sens qu'il commence à perdre sa lucidité. C'est le moment de lui poser cette question. Elle est technique. Un peu de suspense. Parmi ces youtubeurs, cherchez un truc. Je vais donner 4 noms de youtubeurs. Il y a une différence entre ces 4 youtubeurs. Rob Transformer, réponse A. PJ, réponse B. On continue de courir. Abonnez-vous un peu. Là, il y a du mérite. Antoine Fonbonne, Alex Levent. Et là, c'est de la réflexion. Regardez sa tête, il est en pleine réflexion. Ah, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez la réponse chez vous? Allez, Mehdi, t'es capable. Réponds, donne un nom au pire. Même si non, ça va augmenter, fils de. Il a peur de donner une mauvaise réponse pour pas accélérer. PJ. Réfléchis bien. PJ. Réfléchis. Bon, bah écoute, PJ, allez. C'est une mauvaise réponse. C'était. Il veut se dépêcher. La réponse, c'était Rob Transformer. C'est le seul qui a avoué cette dopée. Et je pense pas que les trois autres l'ont été. Prochaine question. Juste dépêche. Ok. Je suis un bâtard aussi. Si je souhaite renforcer mes articulations, quel complément alimentaire dois-je prendre? Réponse A, l'arginine. Réponse B, le collagène. Réponse C, la glutamine. Réponse D, la spiruline. Collagène. Oh, il est beau, c'est du 8. On enchaîne parce que ça commence à être dur. Question youtubeur fitness, quelle est la 1RM de Didio sur la chaîne Fitness Fusion? Je rappelle que ce personnage mesure 1m70 pour 74 kg. 1RM en quel exercice aussi? L'exercice en question est le développé couché à la barre. Les mains. Putain, je suis mort, j'ai un point. 110 kg, 130 kg, 140 kg, 160 kg. J'ai fait les vidéos avec toi, gros. Ouais. Et depuis, on ne s'est pas vu. Et j'ai pu le refaire. Quelle est la 1RM de Didio au développé couché? 160.
110 kg, 130 kg, 140 kg, 160 kg. 160 kg. Et c'est une mauvaise réponse. Tout le monde. Ah ouais, en plus, putain. Là, il commence à être dans le mal, faut dépêche, faire vite. Dépêche. Putain. Quel a été le score final de Bastos au duel de testostérone contre Pimous? 9500. Vidéo disponible sur la chaîne de Pimous. Attends, ouais, je laisse les répondre. Il est trop fan de lui pour se rappeler du score. C'est vraiment qu'il l'a vu 15 000 fois la vidéo. Et allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Donc c'était la réponse A, 9590. Question musculation, les deux dernières. Lequel de ces quatre entraînements n'est pas une méthode reconnue de cycle, d'un cycle de force? Boumir. Allez, mais déjà, accroche-toi. La méthode bulgare, la méthode allemande, le 5x5, le 5x1. La méthode allemande. Et c'est une bonne réponse. Laisse-leur le temps de répondre. J'ai mal au cœur. Franchement, il est bon. La méthode allemande, petite dédicace à... à Spartiate TV. Ce n'est pas une vraie méthode, les mecs. Dernière question pour le libérer. Donc là, on est toujours à 12 km à l'heure. On est toujours à 12 km à l'heure. Dernière question. Qu'est-ce qu'un bicep? Réponse A. Exercice qui engage le biceps. Réponse B. Exercice qui se compose d'uniquement deux séries. Réponse C. Enchaînement de deux exercices de muscles antagonistes. Réponse D, enchaînement de deux exercices sur le même muscle. Réponse. Allez, on lâche les masses, c'est la dernière question là. Répondez en commentaire. Biceps, c'est le même muscle. Qu'est-ce qu'un biceps? La même muscle. La phrase exacte. C'est les muscles qui travaillent des fois. Par exemple, on fait du cœur avec du cœur levé au Z. Vas-y, ta gueule. Il dit des bêtises, il est mort. Deux enchaînements sur le même muscle. Et c'est une bonne réponse. Et on peut arrêter là, Mehdi. Stop. M'a quand même dit fils de chien. Oh, t'as bâtard. Voilà, je t'aime, Mehdi. Donnez-lui de la force, hein. Franchement, il a fait une bonne vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne, vous savez. Les fitness fusion, c'est fun. Fils de chien, 200 calories en poids. T'as gagné un Big Mac. T'es fou, frère. La moitié d'un Big Mac. Ça fait 1200 à manger. Ça, je suis maigre. Si vous voulez une partie 2 sur ce genre de vidéo où c'est moi cette fois-ci qui ira sur le tapis, là, tu pourras me faire manger. 50 pouces bleus, ça nous fera monter aussi en tendance. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comment ça, 50 pouces bleus? 50 pouces bleus, bah oui. Oh là, dégomme la barre. Dégomme la barre, vous avez entendu, les mecs. 2000 pouces bleus, frère. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, dimanche 20h, sur la chaîne Fitness Fusion. Ciao les frères. Just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the machine? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need. Just proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope right now.